Cette semaine, vous avez entendu sur RTL l'excellent Pierre Herbulot nous parler du vin rosé à consommer avec modération, bien entendu. Alors, c'est l'été, c'est vin rosé, hein, ça aussi, ça rime. Ça va détrôner le vin rouge. C'est plus de 15 litres de rosé par français. La France absorbe un tiers de la consommation mondiale de ce vin, derrière les États-Unis qui sont à 15%. Juan Rosé, est-ce que c'est espagnol le rosé aussi ? Alors, il faut savoir que l'Espagne est le premier producteur de vin au monde et le premier producteur exportateur de rosé au monde. Vous êtes sûr de ça ? Tout à fait, les Espagnols. 41% de la production de rosé. Par contre, on ne boit pas énormément de rosé. Et nous, on préfère le rouge, un peu plus la bière même si j'ai découvert tout à fait par hasard qu'apparemment, le premier consommateur de vin, de façon générale, c'est les Portugais, chose que je ne savais pas. Nous sommes toujours en compétition avec la France et avec l'Espagne et l'Italie. Et c'est un podium où nous admettons, entre les quatre, personne d'autre.